وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppant? C'est quoi l'enveloppant? C'est-à-dire le jour du jugement dernier, quand les gens ils vont être enveloppés et couverts par la terreur. Ils vont être terrorisés de ce jour-là. Comme Allah tabarak wa ta'ala a dit dans d'autres versets du Coran, « Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Certes, la secousse de l'heure est une chose énorme. Le jour où vous allez la voir, toute femme qui a allaité, elle va oublier l'enfant qu'elle a allaité. Et la femme enceinte, elle va perdre ce qu'elle a dans son ventre. Et tu vois les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est le châtiment d'Allah qui est dur. » Imagine-toi ce jour-là. Le jour où les cheveux de l'enfant ils vont devenir blancs, de terreur. T'as vu, des gens, ils ont des soucis, ils ont dit « Ah, ça m'a fait des cheveux blancs. » Ça prend combien de temps? Ça, c'est en un coup. La terreur du jour du jugement dernier, leurs cheveux, ils vont devenir blancs. C'est un jour terrible. Un jour où le soleil, il va être à 1000. 1000, les savants, 1000, c'est en arabe le 1000, ça s'utilise pour deux choses. Ou la distance, ou bien le bâtonnet avec lequel on met du kheul dans les yeux. Le soleil a ça de la tête des gens. Il y a des gens, ils vont être noyés dans leur sueur. Chacun va dire « Nefsi, Nefsi ». Personne ne va reconnaître personne. Ta mère, ton père, ton frère. Wallah el-Azim, ce jour-là, le criminel, il est prêt à sacrifier le monde entier. Sa mère, ses parents, ses enfants, ses plus proches amis, c'est des gens pour qui, dans le dunya, il aurait dit « Wallah, j'aurais donné ma vie pour eux ». Ce jour-là, tu donnes ta vie pour personne. Ce jour-là, tu vas dire « Nefsi, Nefsi, Nefsi ». Au contraire, tu serais prêt à sacrifier le monde entier. Tu serais prêt à donner le monde entier pour qu'ils aillent en enfer et toi tu sois sauvé, tu ailles au paradis. Un jour où la terreur, elle va envelopper les gens. Elle va couvrir tout le monde.